Salut tout le monde, c'est Souli sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2. Donc on va parler du coup au capitaine, donc au fameux capitaine qui voudrait faire venir sur l'arche. Que fait donc un humain ici? Attends un peu, je te reconnais. Non, impossible. Bon, c'est vraiment toi. Mon matelot hein, préféré par chaos, comment tu as survécu à cette tempête? Ne me dis pas que tu as oublié qui j'étais. Hein. Je suis la capitaine du bateau d'esclaves qui t'a ramassé à Cantelin. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé hein? Comment tu es attiré ici? Wow. On est dans la gloire. Nos retrouvailles devront attendre. Ce bras nous barre la route. Hein, pas le choix. On doit se battre. On dit qu'un capitaine doit disparaître avec son navire, mais personne n'a dit que ça m'arriverait. Hein. Avec quoi m'arrivera deux fois. Par ici, bâtisseur, on sera plus en sécurité sur la côte. Bah attends, j'ai envie d'explorer quand même un petit peu le bâtiment d'avenir parce que... Attendez, parce qu'en fait je ne sais pas si vous y remarquez, mais on est réellement comme au début du jeu là. Parce qu'au début du jeu, on était dans cette cellule là. Elle a commencé l'histoire du jeu. C'est plaisir parce que là on revient genre carrément 100 épisodes en arrière. Hein. Alors, ça veut dire que finalement le navire il est toujours en vie, un petit peu démoli mais il est toujours là. Ouais, en vrai ça dépend pas. Moi de base je voulais monter en haut pour voir comment est-ce que ça a changé ou pas, parce qu'il y a du coup il y a un petit secret j'en sais rien. Et bah va falloir, on peut pas y aller au-dessus. Ah oui par contre il y a un grand bras là, va falloir s'en occuper. Hein. On va faire le combat. Hein. Voilà, on va lui parler. J'ai ça fait quoi? J'ai ça fait le capitaine Radius. Je ne parle plus du tout de son nom. Mais... Très bien. On combattra d'ici. Comme ça, mon navire ne subira aucun dégât. J'espère. Hein. Que tu es prêt à donner une bonne leçon à ce bras qui joue les gros bras. Avant de se lancer dans la bataille, je voulais te donner quelque chose. Je le gardais pour moi, mais je sais à quel point tu adores ça. Tiens. Si c'est vraiment la fin, au moins tu pourras déguster ton plat préféré avant de sauter dans l'inconnu. C'est parti, bâtisseur, à la charge. Ouais, bah mon dernier record. Enfin, pas mon dernier record. Hein. Peut-être pas exagéré. Hein. Mais attendez, on remonte dans le sujet là ou pas? Parce que j'ai plus que rien. On voit que c'est quoi là? Je suis pas compris. Mais... Ah là, c'est peut-être là que je vais faire ça. Oui, bah après, finalement, fallait juste se tirer et dire. Hein. Ils sont fait derrière ça, est-ce que les boules elles apparaissent? Non, on est protégé. La base immobile nous protège. C'est pas trop bien là. Il faut y attendre que la main soit épuisée et on y va. Il est beau. On fait pas très mal. Là. Mais en vrai on est trop bien là, on est vraiment protégé. C'est bon, c'est compris dans le principe. Comment faire pour battre cette poule de cinéma? Par contre, ça va être en plusieurs fois qu'on va la battre. Ah,
Allez, allez, fatigue-toi, mon nom, il va se fatiguer. Allez, là, on en finit une bonne fois pour tous. Ça y est. Enfin. C'est pas trop tôt. Pas mal, bah, 10 heures, on a gagné, même si ça a été un sacré bras de fer. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies survécu à ce naufrage. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Hein. Tu as vraiment grandi depuis notre dernière rencontre. Hein. J'ai failli ne pas te reconnaître. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein, tu me diras tout si j'accepte de devenir le capitaine de ton arche. Tu l'as construit pour sauver des monstres. Ça me surprend pas du tout. Hein. Même quand tu étais sur mon bateau d'esclave, tu faisais tout ton possible pour aider l'équipage. Tu ne peux pas t'en empêcher très bien, j'accepte, je serai ton capitaine. Mais à une seule condition, je veux que tu répondes à une question, la même que je t'avais posée à l'époque. Dis-moi, bâtisseur, tu aimes construire des choses? Eh bien sûr que oui, je savais que tu dirais ça. Bon, marché conclu, tu l'as ton nouveau capitaine. Mène-moi à ton arche, je suis impatient de voir mon nouveau bateau. Qu'est-ce que tu regardes, Gaëtan? Tu as vu quelque chose là-bas? Le drapeau, c'est l'étendard de Chaos, le symbole de notre ordre. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse tant sur cet étendard du chaos? Hein? Tu le veux? Je ne vois pas pourquoi, mais tu as toujours été un peu spécial. Mais pourquoi ça le dérange qu'on le récupère en fait? Prends-le si tu veux, hein. Mais tu devras aller le récupérer toi-même, hein. Je suis pas à ta botte. Hein. Non, mais t'inquiète pas, on va récupérer ça. Bon, finalement, il dit qu'il veut pas nous suivre, et finalement, il nous suit. Mais moi, c'est pas très grave, hein. Il est encore un petit effort, et on l'a. Voilà, ça y est, on l'a. Par contre, on a cassé son bateau, hein, de double, quoi. Faut pas être content. On va le réparer quand même un minimum, hein, parce que bon, on est quand même sympa, hein. Hein? Il a déjà assez souffert comme ça, son navire, là. Oh oh. Je suis pas content de mettre, hein, les destructions. C'est bien l'étendard du chaos, hein. J'espère que tu te sens mieux maintenant que tu l'as récupéré. Mais je ne comprends pas ce qu'un bâtisseur peut bien vouloir faire avec ça. Enfin, chacun son truc, hein, pas vrai. Occupe-toi de la construction et je m'occupe de la navigation. Retournons sur ton arche, je vais pouvoir monter dans ton drôle d'engin. Ouais, bah, mon drôle d'engin. Bon, bah, si bien. Viens avec moi. On va monter dans ce véhicule, hein, que tu connais pas. Est-ce que j'ai de la nourriture? Parce que faudrait que je mange un... J'ai de la nourriture. Non mais parce que j'ai perdu beaucoup de vie, puis aussi j'ai plus beaucoup de santé. On va quitter cet endroit qui est un petit peu plus bizarre. Un peu bleu quand on va commencer. Je sais plus comment on va rentrer, mais un endroit long maintenant aussi. Ouais, c'est bien. Bon, ben... Ah, mais c'est bien parce que le personne qu'on a trouvé, on l'avait au tout début du let's play. La première vidéo du let's play, on avait ce capitaine. Et donc finalement, on a retrouvé le navire. Hein.
on en avait au tout début de l'hôpital quand même, faut garder le phare. Hein. Donc finalement les personnes qui pensaient ne plus jamais revoir, on les revoit. Enfin, c'est bien encore bien, je sais pas. Hein. C'est pas très loin en plus là. On va y rentrer. Parmi reculant. Bah tes soeurs, c'est toi qui a fait tout ça. Oui, ouais, mais c'est moi qui a fait tout ça. Enfin tout ça. C'est moi qui ai construit le bloc plutôt, on va dire. Hein. Parce que bon. C'est vraiment ton œuvre, bâtisseur, je vais. Pas te mentir, je suis très impressionné. Mais ce que tu m'as dit pendant le trajet, que ce monde n'était qu'une vision créée par Chaos, ça m'a secoué. J'imagine que tu voudrais savoir comment j'ai atterri ici, j'aimerais m'en souvenir moi-même. Mais après le naufrage, tout est flou, je me suis juste réveillé là. Mais depuis tout ce temps, c'est pas bizarre. Hein. Alors, je me suis inspiré de ce que je t'ai vu faire hein, pour tenter de reconstruire mon bateau. Et voilà ce que je fais depuis. Quelques monstres sont passés me voir, mais quand ils m'ont vu réparer le navire, ils m'ont traité de fou et ont préféré repartir. En tout cas, j'ai tout donné, même si je ne pensais pas faire de vieux os. C'est pour ça que je comprends ce que tu as traversé. On n'est pas si différents, toi et moi. Et nous revoilà dans le même bateau. Je m'occupe de diriger cette arche. Je m'assurerai qu'elle soit en parfait état pour son voyage inaugural. Le capitaine Radius rejoint l'équipe de l'Arche. Et bah c'est bien, moi maintenant on a un capitaine pour conduire l'Arche. En vrai je pense qu'on s'apprête à finir le let's play hein, parce que là tout pense à dire qu'on va le terminer bientôt. Je ne sais pas quand mais on va le terminer. Bien joué Gaëtan. Alors voilà notre capitaine. Vous semblez très proche. Hein. Est-ce que vous connaissez? Alors, une vieille connaissance, dis-tu Gaëtan. Tu as vraiment des amis étranges. Ouais, étranges. Jamais je n'ai vu quelqu'un teaser des liens comme tu le fais avec les monstres. Hein. Tu es sûr de ne pas en être un toi aussi? Je plaisante, bon, il nous reste qu'à terminer l'arche et mettre les voiles. Heureusement que tu as de nombreux amis parmi les monstres pour t'aider. Ouais, c'est vrai. Hein. Si j'avais pas de monstres pour m'aider, en fait, j'aurais vraiment été dans vos bras. Bah, littéralement, j'aurais été dans vos bras. Alors maintenant je dois parler à quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui c'est. Ah c'est celui qui parle avec des. Avec le, bizarrement avec les Z, enfin des trucs comme ça. Ouais c'est lui en plus. Hein. Qu'en penses-tu Gaëtan? On a construit l'Ars en suivant le plan à la lettre. Les monstres sont doués pour la construction. Tu ne trouves pas, enfin, ils n'auraient pas réussi s'ils n'avaient pas été là pour superviser. L'Ars. Est magnifique mais elle sert à rien tant qu'elle bouge pas. Bah c'est vrai que si elle bouge pas Oh je vois c'est le moteur hein. C'est ça hein. Et dès qu'on ne lance pas on pourra mettre les voiles hein. Information manquante dans la matrice des données. Comment allons-nous l'alimenter hein? Je pense savoir on utilise encore les globules. Donc il est énorme, c'est tout. Elle trouve les données en énergie affirmative.
Les calculs préliminaires indiquent que deux yeux du maître contiennent de quoi faire décoller l'arche. Alors c'est parti, Gaëtan. Place juste deux globules oculaires énormes, côte à côte, côté à côté, sur le bloc moteur, et l'arche sera parée. Et si le jeu nous dit qu'il sera paré, c'est que on va finir le spell en fin de temps. Je ne sais pas, je ne sais pas spoiler, c'est réellement con qu'on va le terminer, mais je suppose que c'est comme ça qu'il faut le placer, voilà. En même temps, il y a un truc prévu à cette époque. Voilà, c'est parfait. Hein. Maintenant que les globules oculaires énormes sont en place, l'arche a suffisamment de puissance pour décoller. Qu'en dis-tu, Gaëtan? Et si on lançait le moteur hein, pour voir ce que ça donne hein. Vas-y, on va se mettre alors. J'ai hâte de voir. Hein. J'ai hâte de voir si ça, ça va fonctionner parce que quand on passe ça fait là. Ah oui, ça fonctionne. Vraiment, c'est bien par des canines. Qui a mis les moteurs en bas? J'ai failli tomber les 4 fers en l'air. Physique, progression de l'arche à 99%. Je répète, progression de l'arche à 99%. Seulement 99%. J'ai vu ce mot. Je pensais que le moteur était la touche finale. Il y a quelque chose qui cloche. Il manque peut-être un bloc. Ah non, il manque encore un truc. C'est vrai, c'est la touche finale. C'est une touche ultime. Le capitaine, je ne sais pas. En vrai, j'en sais rien. Bonjour, Baptiste. Maintenant que les moteurs sont en place, l'arche est terminée. Il est temps de décoller. Quoi? Il n'est pas encore terminé, mais elle le sera dès que tu auras accroché l'étendard du chaos. C'est pour ça que tu le voulais, pour décorer ton avenir. Hein. Tu sais que les héritiers sont les ennemis jurés des bâtisseurs, pas vrai hein. Enfin, c'est toi qui décides. Hein. Si tu souhaites accrocher notre étendard sur ton bateau, c'est pas moi hein, qui vais t'en empêcher. Allez, accroche vite ce truc à un mur. Hein. Sur le pont près de l'hôtel, tu peux bien le mettre où tu veux. Accroche-le vite à n'importe quel mur qu'il puisse partir d'ici. Oh, alors là, ça a l'air d'être positif. Là, faire que je fais ça et on pourrait battre le chaos. Hein. Enfin, je ne sais pas. Hein. Allez, on va être fou, on va le poser là. Okay. Tu vas accrocher l'étendard de chaos que tu voulais. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu voulais ce truc, mais me sens bien quand je vois flotter ce bon vieux drapeau. Tu as du talent, bâtisseur, tu le sais. Je me disais, redonner un coup de jeune à ce bateau, c'est bien joli, mais tu as surtout tu es là pour sauver ton ami, pas vrai. Hein. Et si ton ami veut pas être sauvé sans vouloir te vexer, s'il est bien celui que tu dis, il ne se souviendra peut-être pas de toi. S'il m'arrive une tuile et que je ne suis plus moi-même, tu pourras me donner un bon coup qui me remet bien les idées en place. Hein. Tu ferais ça pour moi, dis. Bâtisseur, qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment, ton ami t'a dit de lui remettre les idées en place si jamais il perdait la boule. Tous les deux, une amitié pareille, c'est rare. On dirait que vous êtes proches tous les deux. Une amitié pareille, c'est rare. Tu le sauveras, j'en suis certain. Oui, on sauvera. Hein. Hein, j'ai l'impression que quelque chose va... Vite, vite, rapport d'état compilé. L'arche est terminée. Je répète, l'arche est terminée. Ça y est, enfin, depuis le temps, on a enfin fini.
Est-ce qu'il va avoir un dernier combat ou on va pouvoir quitter enfin cet endroit? Super, l'arche est enfin terminée, on va pouvoir échapper au jour de l'anéantissement. Il y a un truc que je comprends pas de temps. Pourquoi as-tu accroché un l'étendard de chaos sur notre bateau? Il a laissé tomber la destruction. Oh, tu penses que la destruction n'est pas forcément une mauvaise chose, que ça a ses avantages? Bah tout à fait, hein. En vrai, quand il faut casser des choses, ils sont bien là. Hein. Et comme cette arche a été construite par des monstres, c'est normal d'y apposer notre emblème. Donc, et bien dit, bâtisseur, t'es quelqu'un de bien, non? T'es encore mieux que ça, t'es un tolérable. Écoute-moi, tous, l'arche est enfin fini, alors tout le monde à bord. Bon, si jamais il n'y a pas de dialogue, on se quittera maintenant. Oui. Ce truc est un bijou, franchement, il y a suffisamment de place pour nous tous. Hein. Et ça a l'air confortable et robuste, hein. Un vrai canot de sauvetage. L'arche est terminée, mission accomplie. Ouais, on a fini. Mission. Des mains en or, terminé. Gaëtan. L'arche est enfin prêt. Mais avant de mettre les voiles, on doit sauver ton ami. Et pour ça, il faut améliorer la bastille mobile. Affirmatif. Merci de nous avoir aidé à construire l'arche. Maintenant, nous allons t'aider à sauver ton ami. Très bien. Alors voyons voir si j'ai bien compris, tu dois entrer dans la forteresse de Chaos, mais une barrière magique la protège. Et pour la dissiper, il faut éliminer des monstres spectraux super forts. On dirait qu'il va te falloir une sorte d'arme spéciale. C'est pas tout. La forteresse flotte dans les airs. Alors on peut pas l'atteindre par la route, il va falloir voler pour y accéder. Mais la bastille mobile ne peut pas voler, si? Je vois, si on l'améliore grâce à la même technologie qu'on a utilisée sur les moteurs de l'Ars, on devrait pouvoir la faire voler. C'est une idée géniale, je savais que construire l'Ars t'aiderait à sauver ton ami. Super, on pourra améliorer la bastille mobile dès qu'on aura les matériaux nécessaires. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Bip, alerte, situation d'urgence en cours. Ah, c'est pas fini. On a un combat, donc la prochaine fois, on se fera un petit combat. Donc du coup, je vous dis à demain, pour inscrire notre let's play sur Dragon Quest Builders. À demain. C'était celui-là.